Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 15e épisode de Mountain Blade Warband. Alors, la dernière fois je vous avais laissé juste sur cette image, pour un petit peu de suspense pour l'épisode d'après, c'est donc celui-ci, nous allons attaquer Almar. Du coup nous allons vraiment assiéger la ville et pouvoir la récupérer. Et donc je suppose que ça va être bientôt la fin du let's play, donc du coup on va rejoindre le prochain assaut. Parce que là on est à 300 contre beaucoup. Non, c'est à 300 contre beaucoup, attendez. On a combien en réserve? On peut pas savoir. Alors là, je suis pas sûr de résister. On va commencer à monter comme ça. Parce qu'on va surtout se faire un peu défoncer au début. Parce qu'on n'arrivera jamais à battre les 300 du premier coup. Alors c'est qu'on est vraiment des PGM. Aïe, voyez. Non, mais arrêtez de me pousser, il faut pas qu'il me pousse. Poussez-vous. Boum. Boum. Poussez-vous. Ah, c'est le bordel, hein. C'est vraiment le bordel. Mais surtout, c'est pas comme les escarmouches qu'on peut faire dans le menu du jeu, parce que là, c'est vraiment notre perso avec lequel on joue. Donc du coup, là, il y a les renforts qui arrivent. Voilà. Pousse-toi. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Oula, j'avais pas vu. Voilà. Boum. Voilà. On n'y arrive pas trop mal, ça va. Tiens, essaye de me taquer toi, et je te défonce. Boum. 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 Bon, par contre, j'arrive pas à faire des coups des stocks. Enfin, j'arrête pas de faire des coups des stocks, alors c'est pas ce qu'il faut que je fasse. Ouf, je me suis pris un sacré coup là. Allez. Je suis rouge de sang là quand même, hein. Ah, laissez-moi des gens à tuer. Boum. Oh là là, je sais pas combien on en est là, mais c'est énorme. Attendez, je regarde. On a tué 93. 93 ennemis ont été tués. Bon, par contre, moi, j'ai vraiment plus beaucoup de vie. Alors, c'est pas dit que je résiste. D'ailleurs, ce sera même certainement pas le cas. Je vais bientôt crever et de toute façon je reviendrai dans la mêlée au prochain assaut. C'est pas possible que je résiste de toute façon à un assaut complet. J'ai pas du tout assez de skill et assez de puissance. Je les one-shot pas en fait. Non. Oh bah on a fait un assaut. On a fait un assaut, ce qui est quand même pas mal, avec 0 mort pour nous et 2 pour les alliés. Waouh. Ça c'est fort quand même. Vous avez percé les remparts du bourg, mais ses défenseurs obstinés continuent à tenir tête dans les rues. Vous devrez vous occuper d'eux avant de pouvoir attaquer au donjon situé au cœur du bourg. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, 5K, on n'est pas beaucoup. Ouf. Oh, le fail. Ouh. Boum. 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 Là. En même temps, c'est un archer monté à la base. Ah. N'arrête pas de parer. Je vais recharger un peu mon arbalète. À moins que il s'en occupe. Ah, zut. Mais qu'est-ce que t'es foutu devant moi? Voilà. Bon, c'était pas bien compliqué, par contre j'ai vraiment plus beaucoup de PV. Vous avez pris le centre du bourg, mais ses défenseurs restants sont retranchés dans le château. Sa chute sonnera la victoire. Oh oh. Ouf. Boum. Boum. Allez.
Allez, allez. Boum. Ah mais attendez, je suis tout seul. Oh non. Oh, c'est nul. Bon bah, prochain assaut. Oh mon dieu. Ils se prennent des roustes. Ça y est, on l'a eu. Du coup, j'ai dû demander à mes soldats de les faire à ma place, mais on a fini par l'avoir. Du coup, on est plus que combien? 49 sur 63. Ah, c'est pas si horrible que ça. On a bien géré, quand même. Et on a fini par avoir Almar, quoi. C'est quand même pas mal. Pouh, ça y est, nous avons pris notre premier château. Le let's play est pas fini, tout simplement, parce que j'ai pas encore augmenté vraiment Pagundur. C'est-à-dire que j'ai lancé la construction, mais la construction n'est toujours pas achevée. Je sais pas d'ailleurs à combien il en est, mais bon, on a déjà fait pas mal de choses. Allez, on a fini par avoir cet endroit. Tavernier, garde de caravane. Wow. On va attendre un peu ici, là, je vais essayer de me ressourcer un peu. Parce que je me suis bien fait défoncer quand même. Alors, est-ce que ça va pas un peu mieux ? On va quitter un peu. 90%. Voilà, nickel. Alors, j'ai pas vu qui est-ce qui était assiégé. Voilà. Pied de Nara. Et du coup, notre royaume commence à s'étendre. Hein. Château d'Unusdak. Il faudrait peut-être le prendre celui-là parce qu'il y a un petit bout de du Kerjikanat là qui reste. On va aller voir là-bas. Je crois qu'ils sont tous partis par là-bas, mais je suis pas sûr. De toute façon, le let's play n'est pas terminé. Je pense que je vais vous garder un petit peu au moins deux épisodes, les deux épisodes d'après. Nara. Alors attendez, il y a quoi là? Caravane. Ouais, Nara, il y a beaucoup de monde quand même. Hein. 338 plus... Ouais, non, laissez tomber. Des déserteurs. Non, les armées d'ennemis. Tudga. Ishklamour. Des bandits des steppes un peu partout. Bandits des steppes. Et une armée ennemie. Wow. Lâchez-moi là. 5.1, 5.0. Eh merde. On va se faire attaquer, on va se faire attaquer, on va se faire attaquer, on va se faire attaquer. Oh là 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 là. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Ça craint sévère là. Ça craint vraiment beaucoup. Non, ça va même pas le faire du tout. Ils vont à la même vitesse que moi. On va se faire défoncer si ça continue. 5.1, 5.0. Ah, lâche-moi, 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 lâche-moi. Ça craint, ça craint, ça craint, ça craint, ça craint. Est-ce que j'arriverai à les battre? Ah bah laissez tomber là. N'y a-t-il aucun moyen d'éviter cette bataille? 49 contre 164. Bon, bah on va laisser en partir. Oh, 11 soldats pour empêcher l'ennemi. Mon groupe perd 20 en morale. Je sais. Attends, tu vas pas non plus me faire chier parce que... Attendez, j'ai mis des soldats, c'est pas pour rien là. Donc Almar a un cire bidule. Attendez, je suis déjà plus que 38, laissez-moi tranquille. Oh mon dieu. Je veux pas cette bataille. 5 soldats en plus. Tu me lâches, hein. Comment ça? Non, 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 tu me lâches maintenant. On va aller directo au royaume là-bas. Mais je veux pas, je veux pas. Je suis en train de perdre tous mes hommes à cause de toi.
direction. Puis il va me re-suivre. Lâche-moi. Morale exécrable. T'es marrant. Mais c'est pas normal, quoi. Le plus important, c'est que j'arrive près du château de Thibault et que je m'y cache, tout simplement. Morale de... Taille, malin, chevalier soudain. Mais j'en peux plus. Je peux pas, là. C'est pas possible. Il va falloir que je refasse toute mon armée. Ça va coûter super cher. 2.1, 2.1. Il est juste derrière moi, quoi. Oh, mon Dieu. Et je pourrais pas, de toute façon. Et ils vont me poursuivre, tous les deux. Avec un peu de chance, on sera au château de Thibault avant eux. Oui, 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 oui! Attendez ici. C'est moi tranquille. Voilà, et on quitte. Oh mon Dieu. Pff. Exécrable. On peut voir. C'est dans rapport. Morale du groupe. 4. 4, nom de Dieu, quoi. Oh la vache. Il m'a poursuivi, mais comme pas possible, quoi. Et du coup, le groupe, un chevalier soignant, plus grand chose. À peine quelques recrues. Oh là 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 là. Oh, quelle horreur. Quelle horreur, mes petits amis. Du coup, on va devoir recruter. Évidemment, il n'y a personne. Des provisions. Prix de vente 2. Attendez, on va aller à Dirim plutôt. Ou plutôt, allez, on va d'abord aller à Emirin. Je vais essayer de recruter des gens. Faut clairement que je recrute pour recommencer. Parce que là... Une infanterie soudienne a déserté le groupe. Je sais que le moral du groupe, il est faible. Je peux pas vraiment faire autrement pour l'instant. Attendez, on va regarder le moral. 21, ça y est, commence à remonter. On va aller voir Ayalibé. Je vais essayer de recruter. Hein. Clairement, il faut que je recrute. On va essayer de faire remonter notre troupe à 45. Même s'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de recrues. Ça ira bien mieux. Une fois qu'on en aura amélioré quelques-unes. Qu'on aura fait quelques batailles. Ça ira beaucoup mieux. C'est vrai que là, clairement... Recruter des volontaires. Évidemment, un groupe de bandits. Tenez. Je vais vous prendre une flèche dans le genou. Allez. Boum. Ouf. Il a l'air de m'avoir fracassé. Hop, on se met de dos. Toujours mieux. Mais comment ça, je l'ai pas touché? Bam, voilà. Non mais. Bon, voilà. J'ai obtenu 150 deniers. On va voir Ali Alibé. 4 recrues sont là. C'est pas mal. Putain, j'ai pas vu s'il y avait des... Du blé. J'aurais dû regarder. Bon, c'est pas grave. On va aller voir à Chibtin. Chibtin. Ouais. Alors écoutez, ok, on est combien là, 35, c'est pas mal, déjà on remonte, même s'il y a beaucoup de recrues, je suppose, 17 recrues, après le reste j'ai plus que 1, morale du groupe est à 21, événement récent, moins 59, je suppose que ça va descendre au fur et à mesure, enfin c'est clairement pas cool quoi. Allez, on va essayer de les avoir. 35 contre 25. Alors là, clairement, on peut plus refaire la même chose qu'avant. Vous tenez cette position. Ok. On peut clairement plus refaire la même chose. Par contre, il faut que je retrouve... Ils sont où les ennemis, là? Ils sont là-haut. Alors...
Alors. Là, ils me poursuivent. Non, attendez là. Je suis en train de me faire défoncer. Voilà. On réduit un peu le nombre d'ennemis. Hein. Non, attendez. Ça va pas le faire. Charger. Il y a bien trop de tirailleurs là. Il y a vraiment trop de tirailleurs. Surtout qu'on va perdre pas mal de... Voilà. Je pense qu'on va perdre pas mal de recrues. Parce que j'ai fait charger, mais c'est peut-être pas la bonne option. Voilà. J'en élimine quelques-unes quand même. Hein. Faut le faire. Sinon on va vraiment perdre beaucoup d'unités. Voilà. Voilà, on en tue quelques-unes. Je fais des tours. Hein. Je fais vraiment des tours. Ça ira beaucoup mieux. Voilà, là c'est bon, on peut le faire avec des... Des armes comme ça. Boum! Tire à la tête. Ouh, joli. Toi, tu nous échapperas pas. Et tire à la tête. Ouh, c'est beau ça. Du coup, là, je vais un peu améliorer mes recrues. Hein, parce que ça craignait un peu. Prisonnier sauvé. On va prendre un garde à caravane. Des... Ouais, bon, des saranides. Ça peut être pas mal. Et on va capturer deux bandits des forêts. Alors vous avez quoi? Ouh, des bons trucs quand même. Et même des très bons trucs qui vont bien se vendre. Après le reste, c'est que de la merde. Voilà. Tiens, c'est en anglais. Alors, donc du coup, on va améliorer homme d'armes, infanterie, homme d'armes, infanterie. Tirailleur en arbalétrier, recrue en... Ouh, voilà. Ça va bien mieux. Comme ça, ça va bien mieux. Toi, je vais te monter de niveau. T'es quand même niveau 11. On pourrait augmenter ta force en agilité. Ta force en puissance de frappe. Ton intelligence. Ouais, d'accord. Donc, il te reste 2 points de compétence. On va mettre en chirurgie. Non. Soin des blessures et premier secours. Voilà. Bon, après les points, je sais pas trop où les mettre, donc c'est bon. Voilà, direction Nomar. Oh, on est déjà 40. 40 avec 2 prisonniers. C'est pas mal, ça. Recruter quelques volontaires. 7. Ah oui, ça commence à être gros, là. Il me le fuit. Sous la moyenne. Bon. Clairement, le moral est à 35, donc ça va y remonte. Uskal. On va aller voir à Uskal, on va se rendre sur la place du marché, on va faire affaire avec le marchand de biens. T'as toujours pas de blé, toi. Hein. Ça, pour le coup, on peut te faire confiance, t'as jamais ce qu'on veut. On va vendre les ateliers de cuir, on va recevoir 759, 700, voilà. Je vends un peu les sacs de blé, parce que ça me sert à rien. De céréales, pardon, pas de blé. Voilà, déjà 1054... Hop, 1233, 1306. Nickel. J'ai reçu 1326 deniers. Ouh. Et en plus, on est remonté à 47. Et on va aller à Pagundur. Bon, là, ça va mieux. C'est toujours pas la joie, mais là, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Épisode pas facile. Hein. Épisode pas facile. Il y a eu pas mal de batailles, dont une très importante. Celle de Almar. Qui est assiégée, bizarrement. Essaye de le reprendre. L'objectif, c'est de le garder jusqu'à ce que la trêve arrive. Comme ça, on l'aura vraiment, vraiment. Du coup, on a une grosse ville. Ce qui est pas rien du tout. Si on peut en avoir plus aussi, ce serait bien. Ah bah y est, ça fait 20 minutes. On va juste voir ce que ça donne à Pagundur. Alors, gérer ce village.
Construction achevée dans 22 jours. Oubé. C'est pas tout de suite. C'est vraiment pas tout de suite. Bon, on arrête là cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Désolé pour le gros fail avec cette histoire de course-poursuite avec une armée. C'est un peu dommage, du coup ça m'oblige à tout refaire. C'est pas trop grave, mais c'est quand même un peu chiant. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à commenter sous la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et puis à la prochaine, salut à tous !